Allez, bonjour tout le monde. Oui, c'est peut-être un tout petit peu. Non, ça ira. Bonjour. Je disais, tu vois, on est peut-être un petit peu trop bas. Mais c'est tout juste. Ben voilà, c'est du tout juste. C'est parfait. Bonjour à tous et bienvenue sur le live. Bon, on est jeudi matin. Forcément, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait 100 personnes connectées. Mais c'est pas grave. Voilà, on va faire ça à notre petite popote à tous les deux. Aujourd'hui, je suis en live avec Florence. C'est une de mes conseillères Thermomix de la région de Tournai et elle a la page Mix and Flow. Je te laisse te présenter, Florence. Bonjour, donc c'est Florence, j'ai 37 ans et je suis dans l'aventure Thermomix depuis bientôt 3 ans. Nickel. C'est ton premier live? Oui. C'est ça, tu n'en as jamais fait. Pas trop stressé? Non, ça va. Nickel. Alors, aujourd'hui, on a prévu deux recettes. Je vous avoue qu'on n'a jamais fait ces recettes. On va réaliser un Pan Star Martini, c'est mon cocktail préféré. Et quand je lui envoie, elle me dit oh, c'est mon cocktail préféré. Je me dis bon, bah, magnifique, on est tranquille. Donc voilà. Et deuxième chose, on va réaliser une courge farcie à la polenta. Alors, ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si tu en as jamais fait du tout. Alors, des courges farcies, j'en ai déjà fait. L'année passée, j'avais fait un live, j'avais fait une tartiflette dans un énorme potiron. Ah oui, c'était oui, super bon. Juste. Oui, c'était très original. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire cette année. Mais du coup, cette fois-ci, voilà. En fait, on a dû déjà mettre le butternut, donc, qui était un tout petit peu plus grand que celui-ci. On l'a coupé en deux, tout simplement, et on l'a mis au four dans le moule familial de Guy Domard. Comme ça, si ça coule un petit peu, ça ne salissait pas le four. Donc ça, voilà. Et on a juste enlevé l'intérieur du butternut. Du coup, ça, c'était la première étape. Ça partait en cuisson 40 minutes à 200 degrés. Forcément, on l'a fait à l'avance parce que sinon, ça aurait été voilà, très long. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de la farce. Vas-y, je te laisse. C'est dur hein, d'utiliser donc, comme ça. Donc, utiliser. Alors, dis-nous. Qui nous disait, donc, je disais, oui. Mettre au four en 40 minutes. Et ensuite, on va préparer donc la farce. Un demi-bouquet de thym. Alors, ici, regardez, Florence est aussi conseillère Guy de Marle. C'est aussi une de mes conseillères Guy de Marle. Et donc, du coup, forcément, tu conserves tout sous bicée, Florence. Tout à fait. Tu as bicée depuis maintenant, depuis le mois de décembre, je pense, quand j'ai commencé Guy de Marle. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est terrible. C'est parfait. Je me gaspille plus. J'ai pas mes enfants tout le temps. Voilà. Du coup, ça me permet de... Là, ton teint, il est dedans depuis combien de temps? Deux, trois jours. Deux, trois jours. Ils sont encore super bons, hein. Ouais. Voilà, il est magnifique. Donc, tu peux mettre un demi-bouquet de thym frais, environ 10 grammes. Du coup, on peut activer la balance. Alors, il faut les feuiller, par contre, ça, c'est super important. Donc, je vais t'aider, on va faire ça dans le pot ici. Je vais mettre la balance. Donc, on va dans les trois petits points et on va sur la balance. C'est ça. Donc, effeuiller, alors 10 grammes de thym. Waouh, ça va pas être comique. Parce que 10 grammes de thym frais... c'est peut-être un truc qu'on aurait pu aussi prévoir à l'avance. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Voilà, mais après... Hein, on découvre la recette. Exactement, hein. Voilà, on découvre la recette. C'est du live. Et voilà, exactement, c'est du live. Hop, voilà. Sinon, qu'est-ce que tu as déjà fait en 3 ans avec ton Thermomix? Je pense que tu fais beaucoup de pâtisserie, toi. Oui, je fais toutes les collations. En fait, je me suis lancée dans l'aventure Thermomix parce que je ne voulais pas donner de collations industrielles à mes enfants, donc je leur prépare tout leur goûter, toutes leurs collations maison. C'est vrai que je fais plus de sucré que de salé, mais je fais quand même malgré tout les trois quarts de mes plats voilà, au Thermomix, tout ce qui est salé, mais j'ai déjà fait énormément de choses. Oui, tu postes souvent des collations, ça quasi tous les jours, je pense que j'en vois, ou presque. Tu fais aussi des beaux gâteaux, etc. Oui, en effet, ça m'a permis de réaliser tous les cake design de mes enfants. Je leur fais tout pour leur anniversaire, les cupcakes, tout. Les Thermomix, ils m'aident vraiment parce qu'il faut savoir que je ne savais même pas cuire, faire de la bolognaise. Je ne savais rien cuisiner avant d'avoir le Thermomix. Et maintenant, ça va plus vite comme j'ai ça. Plus besoin d'aller au traiteur. Voilà. Parce que sinon, on va être encore là demain. Ouais. Ça, c'est bien. Et du coup, qu'est-ce qui pour toi, quelle fonction tu trouves vraiment le plus génial au Thermomix? Tu te dis rien que pour ça, mon Thermomix, je l'adore. La balance. La balance intégrée, ouais, top, qui pèse un gramme près. Hein. Le mode pétrin, parce que comme je fais toutes mes pâtes, mes tartes, tout ça, ça m'aide. Tout mon pain, je fais le pain aussi, tout le temps, les coupes, les brioches, voilà. Tu fais vraiment tout maison. Oui, j'essaye en tout cas. Ta recette de brioche préférée, c'est laquelle? Je fais celle de Cocomix, la super bonne. C'est pas ça? Non, la bunchti. Ah, la bunchti. Ouais, le truc un j'ai peu déjà toute faite. J'ai fait la brioche de Jeanne. Voilà. J'en ai fait on va déjà peser. Hein. Regarde un petit peu ce que ça donne. Je vais aller voir entre-temps justement qui est là un petit peu. Alors. On est à 3 grammes. Ah oui, 3
3 grammes. Ok, on est tranquille. C'est ça. Oui, oui, tu peux. Ouais. Alors, donc, on est ici. Alors, chez toi, il y avait une personne, Julie, qui regardait. Et ici, chez moi, il y en a 22. Mais bon, forcément, c'est moi, matin, ils ont ouais, puis ils ont l'habitude des lives. Hein. Chez moi, c'est un truc que je fais depuis, depuis 3 ans et demi que j'ai mon Thermomix. Donc voilà, bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour Yé, du coup. Bonjour Bailes d'été. Françoise qui est là aussi. Sophie. Alors n'hésitez pas si vous regardez. Comme d'habitude, hein, pour nous aider à nous faire connaître, que ce soit chez Florence ou chez moi, n'hésitez pas à partager le live déjà sur votre mur, parce que c'est pas grand chose pour vous, ça prend une demi-seconde à faire, mais pour nous, c'est vraiment très impactant. Moi, je remarque que depuis que je vous demande de le faire, bah, je gagne énormément de followers, parce qu'il y a plein de personnes dans vos amis, peut-être sans que vous le sachiez, qui sont intéressées par les Thermomix, ou par les recettes, etc., Guy de Marle, les petites astuces que je donne. Et qui du coup s'abonne, donc voilà, c'est vraiment important de le faire pour nous aider aussi, que ce soit chez Florence ou chez moi. Ça va, tu gères 3, 5. Dis donc, c'est une recette avec énormément de teint. On n'est pas obligé de tout mettre, on peut l'adapter aussi. Oui, bien sûr, mais après, je t'avoue que je ne sais pas ce que ça va donner niveau goût, donc en plus c'est du teint frais. On va peut-être, parce que 10 grammes, environ 10 grammes, il m'avait dit 3 branches, c'est pas ça ? Un demi-bouquet. Enfin, ça, c'est ça fait toujours rire, un demi-bouquet. Ça dépend de ton bouquet. Ben voilà, c'est ça, enfin, on n'a pas tous les mêmes bouquets en fait. Hein, donc, Ah voilà, ça va aller, je pense. Hein. Oui, on en aura mis partout. Voilà, hop. Voilà. Exactement, c'est pas grave. Allez, on fait encore celui-ci. De toute façon, je le refermerai dans mon vaisselle. Magnifique. Voilà, vas-y, tu peux mettre. Oups, c'est bon, vas-y. On a mis quand même tout ça. On a bien travaillé. Hop. On a 7 grammes. Donc, oui, mais c'est très bien. On revient à la recette. On va rester. Ensuite, à 7 grammes. Un demi-bouquet de persil plat. Ça, c'est plus facile. Persil plat, oui, mais ça, c'est du persil frisé, mais en soi, c'est un peu pareil. C'est pas grave. C'est pareil. Alors, hop, voilà. Un demi-bouquet, du coup, voilà, plus ou moins ça. Et là, tu vois. Voilà. Dans le thermomix. Ça aura le goût de persil, hein. Oui. Ok. Impec. Donc, on monte. J'espère que vous voyez bien. Oui. Hein. Et on nous demande donc d'insérer le couvercle avec le gobelet. Ah là, on va faire des coups de turbo. Et ouais, voilà. Turbo, on rappelle ce que c'est aux gens. Le turbo, c'est une fonction en fait rapide. Le Thermomix va se lancer immédiatement à la vitesse 10. Donc, comparé si vous mettez une seconde vitesse 10 sur votre Thermomix, en une seconde, il n'aura jamais le temps d'atteindre la vitesse 10. Tandis que là, il sait directement qu'il démarre à la vitesse 10, donc qui équivaut à 10 700 tours par minute. Ouais. Voilà. Et donc, vas-y, tu peux y aller. Et donc, il se met en mode protection. Hein. Voilà. Donc, il faut vraiment passer à l'étape suivante pour que les bras du Thermomix se s'ouvrent. Voilà, ça, c'est très important. Pareil, si vous lancez un peu turbo en mode manuel, si vous ne cliquez pas sur la maison ou quoi pour réouvrir, ça ne fonctionnera pas. Tu as vu, on a un spectateur en plus. Coucou. Sur ton téléphone. Non, mais regarde au-dessus. Ah, mince. On a une mouche qui se balade. Voilà, on a, c'est bien, on n'est pas tout seul avec, voilà. Avec ton petit chat. Il s'appelle comment, ton petit chat ? Beau. Beau, oh, c'est beau. Beau, c'est beau. Il est vraiment beau. il est magnifiquement peigné, hein. Franchement, vous devriez le voir, il est sublime. Ça y est, regarde, il y a une personne. Top, bonjour, je ne sais pas c'est qui est chez toi, mais c'est bien, c'est chouette. Donc, on nous demandait de racler, donc j'ai raclé. Ok. Insérer le couvercle avec les deux heures. Et il me demande de refaire une seconde. En mode turbo. Voilà, ça c'est pour être sûr que tout est bien haché, mélangé, mixé, etc. 50 grammes de noix de... De noix de pécan. D'accord. Donc alors, je rabaisse encore une fois. Voilà, justement hier on discutait avec Florence, elle me demandait, tiens, il y a des noix de cajou, etc. Je lui dis, bah écoute, le goût est pas pareil. Donc c'est important de mettre des noix de pécan. Parce que, bah voilà, après c'est vrai que vous pourrez changer, mais là j'avais vraiment envie de goûter avec les noix de pécan. Et donc du coup, on va tester comme ça. Hop, alors, je ne sais pas combien ça fait, 50 grammes. J'ai pas pesé, j'ai pris ce qui me restait en fait. 42. Ouais, je vois mieux que toi parce que je suis plus loin. Donc 46. T'as pris pratiquement le bon. Oui, mais écoute, sans le savoir, voilà. 50, magnifique. Hop. Donc, suivant, ajouter 40 grammes d'huile d'olive.
Elle est là. Voilà. Donc là, on fait la farce. Hein. On vous rappelle, on est occupé de faire la farce pour notre butternut farci. Alors, c'est une courge au choix, ce qui veut dire que vous pouvez choisir celle que vous voulez. Moi, je vais proposer un butternut, mais si vous avez un petit marron ou autre chose, vous pouvez prendre la courge que vous avez. Hein. Donc, voilà. Il reste 5 minutes pour nos butternuts. Je vais regarder la tête qu'ils ont. Ouais, je pense que comme il est tout petit, il est cuit. 2 pincées de sel. Alors, ouais, attends, est-ce que je peux mettre la plaque sur ton îlot central? Non, je pense pas. Mais on va mettre ça. Ouais. Comme ça, on va le mettre dessus. Ok, ça marche. Voilà. Je pense qu'il est cuit là, franchement. Insérer le gobelet avec le couvert. Donc, je vais d'abord vous montrer avec l'huile d'olive et les noix. Eh bien, regarde, on a bien fait de le mettre dans le plat rectangulaire familial de chez Guy de Marle, qui m'aide pour les tiramisu géants pour le goûter, parce que les enfants sont fans. Et pour faire des grands gratins, des trucs de légumes et tout, c'est top. Donc voilà, regardez ici nos butternuts. Enfin, notre butternut coupé en deux, du coup. Vous voyez, on l'a mis dans le grand rectangulaire familial parce que ça permettait de récupérer le jus. Et on a bien fait parce qu'il y a plein de jus, Florence. Donc, top. Donc on ici, on nous demande de mettre... Je vais mettre ça, je vais tourner. C'est vachement chaud. Vas-y, avec une super manique. Ah, ben oui. Je vais commander des. C'est bien. Il n'y a aucune obligation, mais c'est vrai que. Ouais, non, elles sont très. C'est pas pareil des maniques en tissu et des maniques en silicone. Ouais, c'est top le silicone pour ça. Donc là, on a pulvérisé les noix de pécan, 3 secondes, vitesse 5. C'est ça? Et on va transvaser dans un récipient. Voilà. Je vais montrer ce que ça fait. Je vais baisser toujours le tout. Oui. Donc là, c'est bien mélangé. Ça, c'est forcément c'est l'assaisonnement. C'est ça qui va donner du goût au butternut à la farce. Donc si on ne le fait pas, ben, ça n'aura aucun sens. Alors aujourd'hui, on va utiliser de la polenta. Est-ce que tu as déjà mangé de la polenta? Du tout. Moi non plus, jamais. Je ne sais même pas quel goût ça a. Et voici. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas. On transvase. Voilà, donc là, on va transvaser là-dedans. Magnifique. En tout cas, ça sent bien les herbes fraîches. Ouais. Je pense que ça va être quelque chose de sympa. Du coup, c'est quelque chose de sans viande, en fait. C'est végétarien. Ah ouais, j'avais même pas... J'avais pas tilté. C'est même presque vegan, hein, parce qu'il n'y a rien d'origine animale. On est d'accord. Il n'y a même pas, non. Donc, c'est une recette vegan. Voilà. Vegan, végétarien. Tous les vegan. C'est ça. Voilà. Hop, et voilà. Nickel. Je vais peut-être couper ton four, par contre. Enfin, je crois qu'on doit le remettre après dans le four, mais... Donc, ça remet sur le côté. Et après, donc... Voilà. On continue. Dans le bol, je mets 80 g d'eau. Ouais. Ici, je vais couper. Je vais laver le bol. Non, hein, tu peux continuer dedans. Hein. Ouais. Bah oui. Puisque c'est la même farce, donc faut pas laver. Mon bol. Donc, bien attention, alors du coup, de remettre la tarte à zéro. Voilà. Tu veux ? Je pense qu'un seul, ça va faire. Je pense que ce sera. Oui, je pense. On va voir. Mais à mon avis. Ce sera suffisant. Tu sais que j'ai fait des études de chimiste et une des activités de mes études, eh bien, c'était de regarder les cellules des oignons sous le microscope. Ah ouais. Oui. Et donc, bah, tu vois, bah, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, comme ça, en fait, on leur mettait du sel, on leur mettait des choses comme ça et on pouvait regarder. Vous voyez, vous avez peut-être déjà remarqué, mais de la peau de votre oignon, il y a des toutes petites... Voilà, tu vois ça? Les petites peaux entre les deux. Eh bien, moi, je prenais ces petites peaux-là. Je les mettais entre deux petits morceaux de verre pour mettre au microscope et je rajoutais des trucs, des petits colorants, etc. Et en fait, ça me permettait de regarder les cellules de l'oignon et puis en rajoutant du sel, tu voyais qu'elles se rétrécissaient, des choses comme ça. Ouais. Et donc voilà, c'était une de mes activités, c'était éplucher des oignons en tant que chimiste. Et je vais mettre mon oignon aussi dans le bicep de mon frigo. Ah, oui. J'en avais encore. Ah bon, voilà, c'est pas grave. Est-ce que tu as de l'ail, s'il te plaît? L'ail, oui. On n'avait pas préparé. C'est pas très grave. Ça m'arrive souvent, moi, d'oublier de préparer un truc ou l'autre. Personne n'en est jamais bon. En tout cas, pas pour le moment. Ouais, on est jamais bon. Hop. Ça va? Oui. Hein. Alors, je vais mettre ça ici pour pas salir son plan de travail. Oh, c'est bon. Voilà. Alors, sinon... Tu as déjà fait quoi comme recette un peu salée, tu sais, automnale, ici, parce que là, on arrive dans l'automne avec des courges et tout. Tu as déjà fait des petites choses ou... Pour le moment, non.
Non. Les petites soupes ou quoi? Soupe de butternut, c'est très bon. Oui, ça mes enfants, ils adorent, ça j'en ai fait l'année passée. J'ai fait la courge spaghetti, j'avais fait une farce au Thermomix et ça, ça je dois encore la poster. Et quoi, donc c'est une recette, c'est vraiment la courge, elle ressemble à... Enfin, ouais, en fait, quand tu la grattes, ça fait, quand tu la grattes, ça fait des spaghettis. Ouais, j'en ai commandé une chez une cliente du magasin qui a un magasin près de chez moi de fruits et de légumes. Et elle m'a dit qu'elle avait des courges de spaghetti. Ouais. Du coup, je lui ai dit, tu m'en réserves une. Mais j'ai pensé à super bien. Ouais, bah ouais, franchement, ouais. Je vais tester ça. Voilà, les deux gousses d'ail, vas-y. Hop. Insérer, rondement. Voilà, alors pour ceux qui se poseraient peut-être la question, même si je suis en live aujourd'hui, ici ce matin, mon magasin est bien ouvert parce que il y a Bertrand, donc l'employé de mon magasin, qui est dedans pour répondre à toutes vos petites questions. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite page publicitaire. Pour l'atelier enfant de Toque et Pâtisserie, c'est complet, mais il reste une seule et unique place pour l'atelier des choux guidés. C'est juste magnifique, hein, avec un praliné noix de pécan, une ganache montée à la vanille. Enfin, je peux vous assurer, pour avoir suivi moi-même cet atelier chez elle il y a quelques semaines, que c'est exceptionnel. D'ailleurs, quand j'ai ramené les choux à la maison, Cédric m'a dit « Waouh, tu les as achetés ?» Je lui ai dit « Non, c'est moi qui les ai faits. » Il dit « Ah, ils sont beaux, hein ?» Je dis, mais quoi, tu as suivi que je ne fais pas des belles choses? C'est le jeudi 26 octobre de 13h30, je pense, jusqu'à 18h. Et chacun repart avec 4 choux. Et c'est vraiment une petite très très. Enfin, tu apprends des techniques que tu ne connais pas. Ah oui, mais je peux t'acheter. Moi, je serais intéressée. C'est top. Ah, bah, donc ouais. Voilà. Hop, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Dis-moi. On récupère ça, je lui fais ajouter 150 g de semoule de maïs, donc de la polenta. Attention, je l'ai ouvert comme une quiche. Bon, attends, parce que je vais pas tout mettre. Tu regardes? Ouais, vas-y. Tu peux y aller, t'es à 15 g. Ça pèse pas lourd. Attends, stop, ralentis quand même. 75 g. Vas-y, 80, oui, encore. Encore, tu peux être à 100 g. 115, 120, 130, 137, 40. 144, 5, 6, 7, 8, 7, 150 piles, bravo. Et sans regarder la balance. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y avait moins, mais 150 grammes tout pile. Magnifique. Voilà. Ah, oui, j'ai pris le petit autocollant, je pourrais vous dire. Mettre le panier de cuisson et le gobelet. On n'a pas préparé parce que... Vas-y. Oh, c'est pas très grave, moi je fais ça jamais. Non, mais une cuisson, voilà. C'est pas bien, mais... En fait, regarde-moi ce que je fais quand j'ai besoin de ça. Tu vois, c'est que, donc je mets ça, voilà, et puis en fait, j'enlève mon... Non, regarde, je mets mon gobelet d'oeuvre comme ça, hop, c'est tout. Ah, bon. Et voilà, on met comme ça, la vapeur s'en va là. Bon, ça, c'est un petit truc que je fais à la maison, mais à la base, vous êtes censé respecter les indications du Thermomix. Mais moi, c'est comme ça, oui. Okay. Moi, ça m'ennuie, en fait, de faire ça, parce que après, bah, il est humide, il faut sécher et tout, et donc je fais ça, et j'ai jamais de soucis. Je fais toi à l'inverse de où je suis. Avec et on mettrait pas ça sur les fringues pour pouvoir travailler comme ça. Bah là, c'est que 2 minutes. Hein. Ah, c'est 2 minutes ici. C'est 2 minutes, oui. Après, on doit encore rajouter de l'eau, je pense. Je vais préparer de l'eau. Ouais. Vous avez vu, on a ramené la petite déco. Moi, j'ai ramené mes petits petits ronds, je les ai vus. Ah, mais vous les voyez peut-être pas, en fait. Vous avez vu mes petits petits ronds? Ah, mes petits boutons, mes petites colocantes. Je les adore. Vous les voyez pas, je vais les mettre là. Voilà. Parce que vous les voir quand même, hein. Non. Avec le pichet, tel que voilà. Guy de Marne. Guy de Marne, magnifique. Tu as vu, Florence, où est-ce qu'on peut voyager avec Guy de Marne? Au Sri Lanka. Moi, j'aimerais d'y aller. Moi aussi. Bah, les éléphants. Oui, c'est ça, moi aussi. Oui, puis même, pareil, il y a plein de choses magnifiques que j'ai vraiment envie de voir là-bas. Puis ça fait partie d'un des pays que je me dis, j'irai jamais parce que c'est trop cher, tu vois. Le vol est cher, les hôtels sur place. Alors, bien sûr, après, il y a Cédric qui va arriver en mode « Oui, mais si tu prends ton sac à dos et que tu dors dans la rue sur un sac de couchage, c'est pas cher. » Ça vient pas cher. C'est clair, mais c'est pas du tout mes vacances de rêve. Ouais, moi, j'ai mes amis qui ont fait ça ici en février, je crois, l'année passée, en sac à dos toutes. Ah ouais. Mais ça leur a pas coûté cher, à part le vol. Oui, bah oui. Mais elles ont vu vraiment. Donc, c'est alors, notre objectif regarde, de l'année. Ce qu'on va faire pendant ce temps-là, on va donner un petit coup de lavette. Hop. C'est l'objectif des 3 derniers mois. Ouais. Donc effectivement, on doit être dans les 50 meilleures conseillères France et Belgique réunies. On est quand même 5000. Hein. Donc ça fait 1%. C'est pas beaucoup. Et alors Florence, tu vois, moi j'ai reçu, je ne sais pas si toi tu as eu des petites informations comme ça, mais moi j'ai eu des petits messages en me disant « Bah oui, c'est facile de partir sur le dos des autres. »
Eh bien, j'ai répondu à cette personne que, tu vois, moi, enfin, tant qu'employé, par exemple, Cédric, mon compagnon, il a minimum 20 jours de congés, plus encore tout plein à côté. C'est des congés payés par son employeur. Il a une prime de fin d'année. Il a en plus des team building. Il a plein de choses comme ça. Moi, j'ai pas tout ça. Moi, la seule chose que ma société m'offre en plus, dans ce cas-ci, c'est un super voyage et on n'est que 50 à le gagner sur 5 000. Récompensé de tous les efforts. Voilà, exactement. Et donc, bah, regardez un petit peu, voilà, quand vous êtes employé, etc., bah, regardez la personne à côté et dire, bah, en fait, c'est soit toi, soit moi qui avons la prime de fin d'année cette fois-ci. Bah, il faut se battre pour ça. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça le... c'est un peu comme ça qu'il faut le voir en tant qu'indépendant. On n'a pas tous ces avantages-là. Et on en a d'autres, c'est tout. Voilà. Allez, donc, raclez le fond du bol de mixage à l'aide de la spatule. D'accord. Vas-y, et après ? Après. Moi, j'aime bien regarder. Vas-y, regarde. Direct. On ajoute 500 g d'eau. Magnifique. Oh, ça sent bon. Ouais. En fait, ça sent blindé, les épices, ouais. Enfin, pas les épices, mais les herbes fraîches. Attends, c'est bien 1-0. Très agréable. Tu me dis ? Ouais. Si tu veux, regarde. Attends, moi, je te montre, tu peux mettre un tout petit peu comme ça. Tu vois ? Hop, attends. Je vais retarder. Voilà, mais comme ça, tu sais verser et regarder en même temps. Si tu verses de l'eau, ouais. Ouais. C'est tout un je truc. Je suis cher, mais ça va. Ah, voilà. Mais quand je suis toute seule en live, moi aussi, il faut toujours que je me... Enfin, que j'essaie de trouver des astuces. Mais voilà. Est-ce que tu penses que tu vas refaire des lives par après ? Oui. Oui ? Ah, c'est chouette. C'est bien. Parce que voilà, enfin, tu vois, c'est pas spécialement stressant. En soi, les gens, ils sont derrière, on les voit pas. Donc, moi, c'est ce que je me dis toujours. Je vais aller voir, c'est des petites questions, des petites interrogations sur ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, pour beaucoup de personnes, hélas, la prairie du voisin est plus verte ailleurs au sujet du voyage. Mais tout à fait, exactement. Et moi, je suis très contente que, en tant qu'employé, vous ayez un milliard d'avantages. Et voilà, nous, on en a d'autres. Donc voilà, coucou Manon. Manon, c'est Manon Rubé de notre équipe Thermomix. Voilà, coucou Fabilou Fabi. Coucou, bonjour Jessica. Quelle levure la mieux pour la pâtisserie ? Alors, chez toi, ils sont trois maintenant, top. Voilà, alors regarde, une bonne purée de céleri boule ou de céleri... Attends, un velouté de céleri de châtaigne, c'est excellent. Ça, tu me donnes très envie, parce que j'adore les châtaignes en plus. Sinon, pour la question, pour la levure, pour la pâtisserie, c'est deux choses différentes. Donc, tu peux continuer. Ici, elle va rajouter 20 g de vinaigre balsamique blanc. Donc, en fait, si vous utilisez pour la boulangerie-pâtisserie, je vais retourner de l'autre côté, vous devez utiliser... Donc pour la boulangerie, principalement pour tout ce qui est brioche, baguette, du pain, des cougnous, etc., c'est de la levure de boulangerie fraîche. Donc c'est même une sèche, mais c'est un petit cube brun. Et si c'est asséché, ce sont des petites boules brunes. Si par contre c'est de la pâtisserie, des gâteaux, des madeleines, des choses comme ça, là c'est de la baking powder, c'est de la poudre blanche, chimique. Voilà. C'est deux choses différentes. Et vous ne pouvez pas inverser, parce que si vous mettez de la levure classique dans un gâteau, ça ne sera vraiment pas bon. Et si vous mettez de la levure, de la baking powder, donc de la levure chimique dans les pains ou les brioches, ça ne mixera pas du tout. Ouais. Voilà. Voilà, là, maintenant, on va mettre sur le friends. Voilà. Donc, là, maintenant, on a 30 minutes de cuisson à 98 degrés, vitesse 1. Et donc, en fait, juste à côté, là, on a le friends. Je vais essayer de vous montrer... Je vais un petit peu tourner les téléphones pour que vous voyez. Voilà, hop, regardez. Vous voyez, là, il y a le Friends. Voilà. Et donc, 30 minutes, oui. Nickel. Là, 30 minutes, on a pris 98 degrés. C'est très pratique, le Friends, quand on veut. Pour ces choses-là, oui. Voilà, pour gagner du temps. Quand il démarre. C'est bon, et après, c'est... Vitesse 1. La photo du cake de lundi. Bah non, oui. Non. Alors, pour tout vous avouer, faut que je vous avoue un truc. Le cake de lundi, on a fait une connerie avec Arnaud. En fait, tu vois, lundi, j'étais en live. Florence, j'ai fait des délicieuses madeleines aux pépites de chocolat avec une farine d'épeautre et du sucre de coco. Et à côté de ça, on a fait un cake, gâteau, chocolat, courgette, etc. Le truc, c'est qu'on a oublié de mettre la farine. Et qu'on a oublié de mettre un deuxième truc. Et donc, quand on l'a sorti du four, ben, ça n'allait pas du tout. On n'aurait pas pu faire de photo. Donc, on a dit qu'on avait oublié la photo. Mais en fait, en réalité, c'était pas photographié. Ça arrive. Mais par contre, si vous réalisez la vraie recette que j'ai postée sur les réseaux, donc en dessous de la description de la vidéo YouTube, la recette est là. Parce que tout le monde me demande, mais où trouver tes recettes ? Eh bien,
Maintenant, je les mets en fait en description de la vidéo YouTube. J'en ai aussi plein sur les réseaux, mais dans la description YouTube, il y a les deux recettes et la bonne recette avec la farine. Voilà. C'est juste que Arnaud, quand il m'a dicté, il n'a pas dit la farine. Et donc, quand on a coupé de l'ail, je lui dis, mais on n'a pas mis la farine en fait. Il me dit, ah ouais, non, c'est vrai. Bah, voilà. Donc, ça m'arrive souvent, c'est de quand il n'y avait pas les portions. Et que je divisais en deux la recette. T'oubliais de voilà. À un moment donné, ben, j'ai fait ça avec ma purée ici il n'y a pas longtemps et je devais mettre la moitié du lait. Et j'ai mis la totalité du lait. Du coup, je me suis retrouvée avec une purée toute blanche, toute, et j'avais fait un parmentier de poulet curry. Oui. Et du coup, c'était tout liquide. Ah, ben c'était tout liquide, donc je n'étais pas non plus tout. Et finalement, je me suis dit mince, ouais, j'ai fait pour moi toute seule. Et du coup, j'ai pu mettre les portions pour deux. Mais j'ai encore divisé parce que on partait ensemble. Oui, oui. Du coup, je l'avais fait la veille. Je me suis dit, je ne vais pas le gaspiller. Oui. Et voilà. Ouais. Ok, alors là, on va mettre la recette en suspens maintenant que ça cuit sur le Friends. Pendant ce temps-là, on va regarder ici nos courgettes, mais nos butternuts. C'est encore... oui, voilà, c'est bien chaud. Hop, alors, on va les retourner. Oh, ouais, magnifique. Elles sont bien cuites, là, tu penses? En fait, il ne faut pas qu'elles soient cuites parce qu'elles vont retourner au four. Hein. Donc le but, donc elles ont cuit 35 minutes, voilà. On va enlever un petit peu de chair. Alors ça, c'est super bon. Manger ça comme ça avec un petit peu de sel poivre, des petits morceaux de châtaigne. Moi, je kiffe ça. Est-ce que tu as... Ouais, comme ça. On va prendre un bol. Oui, voilà, c'est ça. On ne doit pas enlever de trop, hein, parce que le but, c'est quand même de garder de la chair. Donc ça, c'est un truc en plus que nous, on vous dit, parce que j'ai choisi un butternut. Mais si vous n'avez pas pris un butternut, ben, un potiron, c'est grand. Vous n'avez même pas besoin de faire ça, quoi. Voilà. Et alors ça aussi, vous pouvez mettre dans un gâteau. C'est super bon. Ah ouais? Chocolat butternut, c'est délicieux. C'est vrai? Ah, j'adore. Ouais, mais je ferais peut-être bien ça pour les 4 heures de mes enfants. Ah bah voilà, j'en ai fait l'année passée. Ah bah je regarderai sur ta page la recette. Ah ouais. Hop. Voilà, comme ça c'est parfait, tu vois. Nickel. Bon. Oui, c'est bon, faut pas faire plus. Voilà, je vais venir vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Vous regardez. Donc, vous voyez, on a creusé... C'est le petit chien de Florence qui fait coucou. Regardez, on a creusé un petit peu. Je vais les rapprocher. Là. On a creusé un petit peu le butternut. Hop. Voilà. Et comme ça, maintenant, on va pouvoir les farcir une fois que ça sortira du four. On va laisser ça là. Voilà. Et maintenant, on va se faire un petit cocktail Florence parce que c'est presque l'heure de l'apéro. Il est quelle heure? Je ne sais pas. Il doit être dans les 11h15. 11h01. C'est l'heure de l'apéro. Officiellement, dès qu'on passe 11h, c'est l'heure de l'apéro. Et donc, justement, on se disait qu'on adorait le Pornstar Martini. Alors, il existe 35 000 recettes de Pornstar Martini. On a déjà goûté des très très bons et des moins bons. Premièrement, normalement, ça se sert avec un shot de Prosecco ou de champagne. Moi, personnellement, j'ai déjà goûté, j'aime pas ça du tout. Un jour, on m'a dit, voilà, donc on m'a servi le cocktail comme on va vous le faire aujourd'hui, avec le petit shot de Prosecco de champagne. Et on mélange et on boit. Ben, je ne l'ai pas bu. Je n'ai pas aimé du tout. Par contre, sans le shot de Prosecco, moi j'adore. Enfin, moi j'ai bu le shot et... Ah oui, t'as bu, t'as fait comme ça. Voilà. D'accord. Alors, pour ça, on a besoin de Passoa. Donc, c'est une liqueur de fruits de la passion. On a besoin... passion et autre chose. Hein. On a besoin de martini blanc. Avec la naturelle passion, ouais. Voilà, magnifique. De martini blanc. On a besoin de vanille. On a besoin de fruits de la passion. Et on a besoin de citron qui est là et de vanille. Donc en fait, on met tout dans le bol. Alors, je vais te donner les quantités pour deux verres. Ou même, tu sais qu'on va faire un petit peu plus parce que le but, c'est de faire une petite photo, mais on a peut-être envie aussi d'en boire un petit peu. Donc on va faire pour trois verres du coup. Je vais te dire. Donc, il faut 120 ml de martini blanc. Alors là aussi, il y a les recettes avec de la vodka et pas de martini. C'est comme ça, martini. De quoi ? Il s'appelle Bambouka. Bah oui, du coup, nous on a décidé de mettre du martini. Parce que dans la recette, en effet, c'est à la base de la vodka. C'est de la vodka. Et donc, on dit, on prend du vodka, de la martini. Ouais, 124, c'est pas grave, c'est parfait. Alors ici, tu peux mettre. Donc, on va mettre ici. Ah, zut, tu te souviens, il fallait qu'on mixe le sucre. Ouais. C'est pas grave. Je vais. On va le mettre dedans. J'ai c'est pas ça, même. Prendre la polenta. Une polenta au martini, vous avez bien ? Il fallait du sucre de canne liquide, mais. Voilà, mais on a oublié. Oui, voilà, on a oublié, enfin j'ai oublié de lui dire. Donc du coup, tu peux mettre une belle pointe de couteau. Vas-y, comme ça. Ouais. Donc ça, c'est la vanille que je vends dans mon magasin. Hein. C'est vanille, ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Voilà, on met une belle pointe de couteau, on met dedans.
Comme ça, ça donne, ça apporte beaucoup de vanille. Et en fait, normalement, il fallait mettre non seulement une gousse de vanille, mais aussi un sirop de sucre de vanille pour apporter le côté sucrant. Donc, c'est pas grave, tu peux rajouter 30 grammes de sucre. Et comme on va le mixer quelques secondes, vitesse 10, bah, normalement, ça va un petit peu se... Ah, mais c'était déjà en poudre, ouais. Ouais, c'est de la poudre. Ouais. Normalement, on aurait peut-être dû mixer 10 secondes, vitesse 10, tout seul, le sucre, pour vraiment le réduire en très, très fin, tout comme du sucre impalpable. Mais c'est pas grave. C'est ce que je fais avec celui-ci, parce que j'utilise jamais de sucre blanc dans les pâtisseries. Je prends que du sucre de canne ou du sucre de coco. D'accord. Tiens, alors, tu peux faire tard à la balance et mettre 45 ml de jus de citron. Vert. Jus de citron vert. Ouh ! Je t'ai envoyé... Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Je ne sais pas si on va y arriver. J'ai peur. Tiens, on va mettre celui-là aussi. Et là, on est encore là. J'en voulais un pour les photos, mais je pense qu'on n'en aura pas pour les photos. On aura des fruits de la passion. C'est ça, voilà. Ensuite, les fruits de la passion, là, je vais déjà les couper. Donc, il en faut 3. Je n'ai pas la bonne technique non plus. Non, t'inquiète. Moi, j'adore le... comment ça s'appelle, le presse citron de chez Guimard aussi, ou de chez Tupperware ou quoi. C'est tous le même principe, hein. Ça retourne le citron, j'en vends aussi dans mon magasin et je trouve que c'est parfait. Hop. On entend le friends qui travaille. Oui, exactement. Je ne sais pas en fait si les fruits de la passion c'était pour la décoration, j'ai pas regardé, je t'avoue. Parce que beaucoup de personnes mettent un demi-fruit de la passion dans le verre comme dedans, ça. Hein. Ouais. Mais écoute, parce que c'est à bas. Ah ouais, mais ou alors c'est aujourd'hui, alors on fera peut-être des tests, on vous mettra une autre recette. En tout cas, aujourd'hui, on va tester comme ça. Voilà. Je pense que pour le citron, ça suffit. On va garder celui-là parce que là, ça me semble bien citronné. Oui, je pense que c'est bien. Là, tu peux mettre déjà 3 demi-fruits de la passion. Oui, c'est moi aussi, je suis tout le temps occupée en live. J'ai du mal avec le fait que ce soit pas nickel ou pas, mais voilà. Donc, on a mis le martini, la vanille, le fruit de la passion. Ah, le passoir. Tu as mis le passoir. Non, t'as pas mis le passoir. On n'a pas encore mis le passoir. Oh, c'est mon fruit préféré, c'est mes glaces préférées, la passion. Ah oui ? Ouais. Ah bah écoute. Mais peut-être pas le gros morceau là. Parce que, bah non, je sais pas. Je me laisse le. Mais plutôt les petits grains et voilà. Maintenant, à mon avis, je pense que c'est un cocktail qui est passé. T'as une petite passette ? Oui. Magnifique. Oui, parce que. Quand on fait un live chez quelqu'un d'autre, bah forcément, on ne sait pas tout le matériel qu'il ou elle a ou n'a pas. Donc, du coup... Et voilà, les trois. Super. Tu peux mettre 45 ml de passoir. J'ai mon petit... On met à zéro. On a notre petite note. Ouais. Comment on appelle encore? Je fais un petit post-it, voilà. Des petites notes, quoi. Donc, 45 grammes. Ah, il est rouge. C'est pas normal. Je sais pas, moi il est jaune d'habitude. Non, je sais pas, je bois jamais de passoir. Enfin écoute, je sais pas. On verra. Ils sont très bons. Ben, c'est magnifique. C'est peut-être parce qu'il y a de la vraie pulpe de fruits de la passion, tu vois. Je ne sais pas. Voilà, et ben maintenant tu peux mixer. On va mixer ça pendant, je dirais, je sais pas, 20 secondes, vitesse 10. Je vais dans mon écran. Et voilà. Vitesse 10. Oui. Attention les oreilles. J'en prends chaque fois quand je vais quelque part et c'est à chaque fois différent. On m'a jamais servi deux fois le même dans des endroits différents. C'est vrai ? Ouais. Moi, mes préférés, c'est à Weir Waters, tu vois ? Ah oui. J'adore.
Attends, stop. Regarde toute la. En fait, je pense aussi que c'est le fruit de la maçon mixée. Oui. Je pense qu'on n'aurait pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. En fait, on a mixé tout, je pense. C'est pas grave, on teste. Voilà, on teste. C'est ça, tout on va laisser. Frais, c'est oui, bon. C'est ça. On va laisser comme ça. On va laisser. Oui. Et ça, on va goûter. T'as un mini verre ou quoi? Un mini shot? Non? Tiens, tu peux goûter là-dedans. Parce que là y a... c'est pas triste. Hein. Vas-y. On va goûter et on vous dira si vous pouvez la faire ou pas. C'est bon. Voilà. Ce sera peut-être pas repris en meilleur cocktail. C'est délicieux. C'est vrai? Ouais, c'est délicieux. C'est délicieux. Juste peut-être... avoir une passette plus fine pour les grains de la passion. Ouais, mais ça, c'est super bon. Et bien. Ah, il manque pas d'alcool, ouais. Ouais. Voilà, on peut ouvrir notre petit cocktail, notre bar cocktail. Oui. Par contre, ou oui. Ben, c'est pas ça, mais on va être vite ruiné, quoi. Voilà. Alors, regarde ce que j'ai prévu, Florence, pour la déco. J'avais envie de mettre, tu vois. J'avais vu ça. Ce sont des petites rondelles, là. Je prends pas les trop grandes, parce que les verres sont pas. On n'a pas les verres. On n'a pas les verres à Pornstar Martin. On n'a pas trouvé. Donc tu vois, regarde, normalement, hop, on vient déposer ça comme ça. Tu vois. Voilà. Et alors j'ai pris des petites fleurs. Pour le moment, je suis très fleur, tu vois. C'est celle que tu vends dans ton magasin. Exactement. Voilà. Celle que je vends dans mon magasin de la marque Vanissa. Comme Amandine, c'est une conseillère au top, hein, même avec nous, elle, quand on bosse bien, elle voilà. Récompense et elle a offert ici ça. Petites fleurs. C'est toujours gay. On vient en mettre un petit peu. Il ne faut pas en mettre de trop parce que en bouche, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, tu vois. Ouais. Mais pour la déco et tout, c'est assez. On aurait pu en mettre plus, hein. De quoi? Oui, bien sûr. Et encore, tu vois, là, j'ai fait pour 3 verres. Ouais, on aurait dû. Si vous faites la recette, on la notera, mais prévoyez un peu plus. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Où est-ce qu'il en est, notre friends? 17 minutes. Alors, quelles sont les étapes après? On va regarder parce que bon, là, on a déjà fini notre petit cocktail. Donc, après, on devra rajouter. Alors, normalement, il dit 50 grammes de gorgonzola, mais j'ai envie d'utiliser ça. Enfin, je déteste le gorgonzola. Non, plus, j'aime pas et c'est mon préféré. Le comté. Voilà. Donc, je lui ai dit, prends du comté. Donc, c'était parfait. Bien mélanger, retirer la courge du four, dresser dans un plat, farcir la courge de la polenta avec le reste du gorgonzola dessus, mais ça en fera pas. Et parsemer avec le mélange de noix d'herbe. Ah oui, en fait, on remet pas au four. Ok, d'accord. Ouais, comme quoi, on a bien lu, enfin, j'ai bien lu toute la recette. Voilà. C'est pas grave. Écoute. Hop, voilà. Donc là, je vais un petit peu mettre les fleurs parce que. Ouais. Voilà. Ce que je te propose, bah écoute, on va se couper un petit morceau de fromage hein, pour le. Pour le goûter. Voilà. Bah, c'est ça. Oui, aussi, oui. Voilà. Mais pour l'apéro, tu vois. Voilà. Et du coup, bah, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter pendant 17 minutes? 17 minutes non. On peut essayer de faire une autre recette. Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce que t'as? On peut faire une brioche? T'as tout pour une brioche? Non, je n'ai pas de levure. J'ai les levures pas en fraîche. T'as les petits sachets de levure sèche? On va faire ça. Allez. On va reprendre ça avant-hier parce que je voudrais avoir mon téléphone pour faire les photos. Ah oui. Vous savez, je me dis de plus en plus qu'il faudrait deux téléphones. C'est ce que je me dis tout le temps. J'adore ce fromage. En fait, il n'en restera plus hein, pour mettre dedans, je te préviens. Non. C'est une catastrophe. Bon. En tout cas, notre version du Pornstar Martini, j'aime beaucoup. Magnifique. Dans quel bol? Ben, on rince le bol et on démarre. Ouais, non, je réfléchis. Elle réfléchit. Oui, je réfléchis. Pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Je mets des petits sachets, je pense, pour Guy de Marle, spécial de Roche. Je ne sais pas si tu utilises ça. Jamais utilisé. J'ai utilisé une fois, mais je. Et ça marche bien? Ça va très bien. Bah voilà, si tu veux, on peut utiliser ça. Ok. Alors, hop, je regarde un petit peu les infos. Le chien en sourdine, est-ce possible? Mort de rire, c'est Clem qui marque ça. Oh, Bobo. Bobo. Bobo en sourdine. Vous n'avez pas encore vu, vous allez fondre. La chair de butternut, je la rajouterai à la farce. Excellente idée. Yéyé qui nous dit... pourquoi pas rajouter la chair de butternut à la farce? C'est une très très bonne idée, je trouve. J'aime beaucoup ton idée. Je vais aussi regarder un petit peu dans le fun ce que ça donne. Voici Bobo. Voilà. Un loulou. Je l'avais dit. Le poméral. Ouais, c'est ça? C'est ça. Alors. Un bébé. Attends, je rince aussi ça.
Qu'est-ce qu'il nous faut donc Alors, il nous faut de la levure, du lait, un petit peu de beurre, de la farine et beaucoup d'amour. Voilà. Moi, je fais souvent la recette du pain au lait. Je sais pas si tu fais celle-là aussi. La tienne, le des petits. Bah, la mienne. Non, la recette du pain au lait cookie. Ah non. Non ? Bah écoute, on va la faire. Donc, c'est une recette de brioche rapide en fait, le pain au lait. C'est une recette que je fais toujours en atelier parce que c'est vraiment le top. Ça marche très très bien. Et en atelier, c'est facile parce que c'est très rapide, je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc, le pain au lait. Alors, hop, pain au lait. C'est bien, on rajoute des recettes, bah, pourquoi pas, pain au lait. Allez-vous. Pourquoi il ne le donne pas? Tu l'as jamais faite? C'est fou ça, j'en parle non-stop. J'écoute ton L. Non. Pain au lait. Bon, c'est de la farine pour gâteau par contre. J'ai vu que celle-là, c'était vraiment. Non. Ah ouais, voilà, je vais y arriver. Voilà, magnifique. Farine, du lait. C'est une recette que j'aime bien. C'est pas la meilleure des brioches du monde, mais franchement, elle est top. C'est ça, oui, c'est ça. Alors, on peut mettre 300 ml de lait dedans. Je voudrais trop faire la photo de mon pain de Star Martini. Je n'ai pas d'autre appareil. Bah oui, c'est, je me doute. Je vais les mettre sur le côté. Parce qu'en plus, la mousse va être écrémée que j'ai acheté. C'est pas grave. Non. Bon. Non, j'achète toujours du demi. Voilà, comme ça, on fera la photo après. J'ai fait en drive, mais j'ai pas fait attention. T'inquiète pas. Bah, moi aussi, je prends toujours du demi, mais voilà. C'est pas vrai. On mettra un chouïa de beurre en plus ou quoi. Voilà. Alors, ici, à quoi ça ressemble? Oh, mais c'est pas mal, hein. Je vais te piquer une cuillère pour goûter. Ouais, une longue histoire de pas. Alors, ce qui est bien avec le Friends, c'est vrai que vous voyez pas, mais même pendant qu'il est occupé, je vais voir si je sais le rapprocher. Tu sais quoi, je vais un peu bouger le thermomètre. Voilà, comme ça. J'ai le méta. Ok. Voilà, et donc je vais rapprocher le Friends. Vous allez voir. Là, en fait, on le voit chez toi, mais on ne voit pas chez moi, le Friends. Voilà. Regardez, même pendant qu'il est occupé, je peux ouvrir. Et je peux regarder. Alors déjà, ça sent très bon. Je n'ai aucune idée de la polenta, ce que ça doit avoir comme goût. Je n'en ai jamais mangé. Donc, voilà. Hop, je prends un petit peu sur le côté. Ah ouais. Oui. Je ne sais pas si ça a ce goût-là, en fait. Je ne sais pas du tout. J'ai regardé hier quand j'ai dû aller chercher, j'ai regardé sur internet ce que c'était de la polenta. Ouais. Voilà, 50 grammes de beurre, donc j'ai rajouté ça à mon lait. Je connais pas. Maintenant, pour moi, clairement, ça manque de sel, de poivre, d'épices. Ah, ça, on peut mettre. Hein. Oui, on va rajouter. On va rajouter parce que le goût ne transporte pas. J'ai toutes les épices aussi. Super, c'est la donne. Tu sais quoi, je vais faire un petit paquet. Je crois que là, recette anti-olivier, oui, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, du curcuma, du piment doux, des graines de feuillus, des oignons coriandre, magnifique. Ça me plaît bien. Donc là, on va utiliser les recettes spéciales ensoleillées. C'est un mix d'épices de Guy de Marle. Moi aussi, je les ai tous. Ça sent très bon. On va en mettre un petit peu. Ouais, moi, je les utilise. Je fais hier, j'ai encore fait des. Ouais. Ça, le soir, j'ai mon chat des légumes à la poêle, sans matière grasse. Où je mets les épices légumes. D'accord. J'ai fait des aubergines, des courgettes. Et je me suis fait des scampis. Et les scampis, j'ai utilisé les. Oh, c'est trop bon. Cacahuètes et sésame. Ah, ça c'est les nouvelles. Ah, je les ai scampis. Ouais. Oh, c'est une tuerie. Et je rajoute des. C'est les poivres, c'est ça? Oui. Okay, ça. Magnifique. Voilà. Ah, donc, dans un sens, t'as du poivre. Et dans l'autre sens. Non, c'est du poivre, ça c'est du poivre pour les deux. Ah oui, on va mettre. Normalement, oui, il y a ça du poivre. Donc, on a deux cuillères à café de levure. Donc, voilà, normalement, c'est sauf de la levure fraîche, mais j'en ai plus. Et deux cuillères à café. Le chien m'a fait peur. Ouais. C'est pas un chien de garde, mais. De par sa taille, mais par sa voix. Donc là, il continue de mélanger. Hein. Ah bon? Voilà, c'est pas extraordinaire, il mélange pas très vite. Je vais peut-être mettre à la vitesse 2. Ce serait chouette que vous puissiez voir ce qui se passe parce que enfin, c'est assez sympa, tu vois. On n'a pas de téléphone. Il nous manque un téléphone. Voilà, je vais en trouver 2, 3. Alors là, ils mettent de 20 à 60. Moi, j'ai toujours l'habitude de casser au moins en 2 voire 3 le sucre, mais toi, je sais pas trop si t'as déjà fait ça. Moi, je mets 45 grammes. Ok. Ah, il a fini. Ça, moi, je... Ah non, il en a marre. Il en a marre. Il dit que c'est trop lourd. En même temps, c'est cuit. Hein. Oui, et voilà. On a compris, il est fâché.
Donc je vais mélanger, je vais bien vous montrer à quoi ça ressemble. Moi je vais. De toute façon, au goût c'était cuit. Donc voilà. Par contre, moi j'ai trop envie, je t'avoue, de la repasser un peu au four pour avoir cet aspect. Avec le fromage. Bah oui. Ouais, c'est top, hein. Ouais. Par contre, ce sera pas. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on rajoute de la farce? Oh oui, écoute, soyons fous. Hein. Moi je vais mettre à 37 degrés 3 minutes ici pour vitesse 2. Oui, on va, je vais goûter avec les épices et on va voir si on rajoute la farce. Mais c'est une très bonne idée. Quel moule pour les petits pains? J'ai le moule de l'an, je sais pas si j'ai le moule. Oui, ou sinon, montre-moi ce que tu as en aéré, tu vois. Je ne sais pas, j'ai dit non. Ou sinon, on fait juste une tresse, tu sais. Ah oui, sur toi là. Donc là. J'ai rajouté du sel, du poivre, des épices parce que c'était un peu fade à mon goût actuellement. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Le cake chocolat courgette est très bon mais reste spongieux. Il doit cuire longtemps et ici ils reconnaissent quand je le fais aux courgettes. Oui, bah, il est beaucoup plus spongieux mais moi dans certaines recettes, quand je fais le cake chocolat courgette, je presse ma courgette pour enlever l'eau en fait. Ça ? Non. Non, un aéré, t'as pas? Ben, pas. Ils sont en rupture de stock, j'attends, je suis. Le baguette. On va faire ça dedans, c'est bien. On va faire des brioches façon baguette, c'est trop bien aussi. Parce qu'il y a des ruptures de stock à chez Guidemar, je suis en train d'attendre les nouvelles toiles. Ben, donc, ici, c'est aussi un des nouveaux. C'est bon? Ça a beaucoup plus de goût déjà. Ouais. Oui. On va rajouter la farce. Ok, vas-y. J'ai envie. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut, un peu faire comme on a envie en fait. En plus, le butternut, t'as ce petit goût sucré vraiment. Le butternut, c'est littéralement beurre de noisette. Hein. Et franchement, ça a un petit goût, mais trop bon le butternut. Oh là là. Moi, j'adore ça. Et alors, ce que j'adore, c'est un mac and cheese au butternut. C'est pour ça. Quoi. C'est un truc très gras qu'il ne faut pas manger quand tu fais régime. C'est. Non, en fait, c'est des pâtes avec un milliard de fromage et tu fais un espèce de velouté de butternut, mais pas trop velouté. Tu gardes un peu en purée, tu mélanges avec le fromage et les pâtes. C'est trop bon. Je fais ça à l'instant. Ouais. Ouais. À tester. J'adore. Donc, voilà. Là, j'ai tout mélangé. Je vais revenir par ici. On va mettre ça dans les petits moules pendant le temps que notre brioche, elle chauffe. Enfin, le lait chauffe plutôt. Donc, hop, je vais mettre un petit peu le Thermomix. Ouais, tu peux le resoulever. On va un petit peu le rebouger. On n'a plus besoin de friends. Non. Hop. Voilà. Alors, donc, on reprend ici nos butternuts hein, qui étaient donc, on a un peu vidé. À mon avis, il y aura trop de farce, mais c'est pas grave. Je vais prendre peut-être une cuillère parce que j'ai l'impression que j'en ai partout. Tu veux la petite cuillère, la petite splouche de. Ben non. On va pas salir. Ben non, parce que c'est trop collant. Non, en fait, regarde, je m'en sors comme ça. Comme ça, il faut pas salir en plus. Je t'en sors. Oui. Ah. Alors, on pourrait très bien imaginer se faire un petit steak grillé avec ça, ou un petit peu de poisson. Si vous avez envie. Tu utilises la farine à pain? Non, moi, j'utilise la farine super classique. Ça, j'en ai de la. Quand je fais mon pain gris, moi. Comme ça tient bien la farce, vous pouvez pas. Vous ne devez pas hésiter à regarder, à vraiment faire quelque chose d'assez gourmand. Vous pouvez monter en hauteur, il n'y a pas de souci. Et après, on mettra les petites épices là, mais voilà. Donc, du coup, dedans, je récapitule, j'ai mis du sel, du poivre en plus de la recette. J'ai rajouté l'intérieur du butternut gratté que j'ai mélangé. Et j'ai rajouté également le mix de. Pour légumes soleil de Guidemar, où il y a du curcuma, il y a du thym, il y a plein d'autres choses dedans. Donc, ça allait tout à fait dans la recette. Hein. C'était vraiment bien. Attends. Ouais, excuse-moi. Moi, ici, j'ai 550 g de farine. Voilà. Hop. Et ensuite. Voilà. Un peu de sel. Mais en fait, il ne restera pas grand-chose en farce non plus, ça va. On aurait pu avoir un butternut un peu plus grand. Ouais, mais j'ai pris les... Ah, tu sais quoi, il fallait rajouter le fromage. C'est pas grave, on va... Regarde, on va faire comme ça. Tout de suite. Ouais, non, mais je vais faire des petits dés et je vais les piquer dedans. Ah oui. Comme ça, ça fera un petit peu l'aspect. Est-ce qu'on rallume le four pour les mettre dedans ou pas? Bah, je dirais oui, 5 minutes.
Ouais, j'ai quand même envie de les remettre 5 minutes. Ouais. Et donc, moi, ici, j'ai mis ma farine insérée, le couvercle. Ça, c'est quand on fait plein de choses en même temps. Voilà. Ce que je fais tout le temps, moi, avec... aussi, je te rassure. Je fais mes repas du midi parce que je ne mange jamais pareil que mes enfants. Ah non ? Pourquoi ? Bah, parce que... Regardez comme ça va être du mouvement. Du coup, c'est pas vegan parce qu'il y a du fromage. On se pose la question. Du fromage, ça passe encore. Bah non, parce que c'est vegan, c'est tout ce qui est issu de produits animaux ou pas de vegan, moi je crois. Non, c'est la vie. Regardez ça, c'est sublime. Ici, c'est vraiment une rapide parce que ça s'est mis en mode pétrin en 3 minutes. Donc ça veut dire qu'en 3 minutes, ils vont être faits. C'est ça. Regardez ça, ça va être super gourmand. Attends, je vais te piquer. Je vais te piquer, vas-y, vas-y. Ok. Hop. Oui, de toute façon, en fait, il faut allumer le feu parce qu'après, avec la brioche. Oui, tout à fait. Tu vois, je suis peut-être à 180. Oui, voilà, non, même pas. D'abord à 60. C'est pas bien dedans parce que sinon, ils vont se. Voilà, oui, c'est bien. Voilà. Ok, maintenant, on va remettre ça au-dessus. Je l'ai vu bientôt les raclettes, les fondues. Exactement. Alors, je sais pas trop quelle quantité il faut mettre. C'est dommage qu'on ne peut pas faire les photos. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme on a fait toute la recette, c'est pas mon copain. Il pique. Maintenant, dès que quelqu'un passe dans la rue, il le voit, il aboie. Ah mais puis, quand t'habites pas le long d'une autoroute, t'imagines ? Même quand je suis en voiture, parce qu'il va partout avec moi, quand je suis en voiture, il se met à la fenêtre, il est sur mes genoux et il aboie comme un dingue dès qu'il voit quelqu'un passer. Ok. Donc je disais, heureusement qu'on a fait là-dedans, parce que comme ça va couler un petit peu avec le fromage et tout, ça va être top. On va repasser ça un peu au four. Ça va être bien. Voilà, je pense que c'est important de mettre tout parce qu'à mon avis, c'est ça qui donne aussi le goût et l'assaisonnement. C'est toutes les herbes fraîches. Ça a l'air super bon. Bah écoute, oui, je trouve que c'est une recette très sympa. Ouais. Je connaissais pas du tout. Ça va quand même vite, hein, malgré tout, si on en met, mais sinon, c'est toutes les recettes, c'est facile. Oui. C'est incroyable. Ouais. Et franchement, c'est assez facile. Alors, on le rappelle, Florence, mais le mode pétrin, c'est le seul mode où vous ne pouvez pas bouger de la cuisine pendant qu'il est occupé. Parce que si vous partez de la cuisine, ce qui va se passer, c'est qu'il risque de tomber. Vous voyez, comme il bouge beaucoup, bah, il faut faire attention. Il est grand, donc généralement, j'aime bien le milieu et j'ai pas de risque. Mais bon, si vous avez une cuisine, allez. Votre thermomix c'est vraiment au bord, parce qu'il y a rien à côté. Pareil pour le mode nettoyage. Des fois, quand il met en mode nettoyage pour les graisses et caramels, il bouge aussi. Oui, c'est tout à fait. Magnifique. Voilà, mettre la pâte dans un saladier. Non, là, c'est pour faire chauffer, mais on va pas le faire. Nous, on va directement la travailler. Donc, regarde. Ça, mais des fois, tu sais, en... Je vais te montrer. Attends, ça, on va... Parce que le four est déjà chaud, tu penses ? Bien chaud, ouais. Ok. Donc on va remettre Oui, regardez ici nos magnifiques. Nos magnifiques butternuts. J'espère que vous avez vu quand j'ai travaillé parce que j'ai l'impression que c'était un peu trop bas peut-être. Peut-être moins. D'habitude j'essaye de regarder à ça, mais mon téléphone a des soucis. D'ailleurs, tu sais, dès qu'on finit le live, je vais râler chez Apple parce que hier j'ai eu quelqu'un au téléphone de chez l'Apple qui a tourné. Il m'a vraiment pas. Non, ça va être beau. Alors, un petit conseil quand tu fais tes futurs live, tu mets ton chien ailleurs. Voilà, donc je disais hier, j'ai eu quelqu'un de chez Apple au téléphone, c'est pas grave. Et en fait, parce que j'ai un problème avec mon iPhone, les photos ne sont plus du tout de bonne qualité. Et j'ai aussi un souci au niveau de la stabilisation des images lors des vidéos, etc. Donc, je téléphone, je lui explique que j'ai regardé sur Internet et que... C'est un problème qui est apparemment connu. Et il me répond, oui, effectivement, c'est connu, etc. Et vous voulez que je fasse quoi ? C'est quoi votre problème ? Je lui dis, je voudrais que vous le débarriez, quoi, tu vois. Enfin, j'étais hyper étonnée au téléphone. Et il me dit, vous avez qu'à venir en magasin, c'est tout, on verra ce qu'on peut faire. Mais fallait le rendre, on a fait un rappel, vous n'êtes pas venu le ramener, voilà.
Oui, enfin, je ne regarde pas tout le temps non plus, tu vois, la presse, etc. On va mettre en turbo. Ouais, on va mettre en turbo avec un petit peu de farine. Ah, et non, enfin, je sais pas, oui. Mais en fait, c'est parce que je pense que ton plan de travail est un peu. Ah oui, oui, ben oui, on a. Attends. Voilà, et du coup, on va mettre un peu de farine. Ouais. On va essayer. Ah oui, je pensais que tu me disais mode turbo avec de la farine, c'est là que je me disais. Oui, non, je parlais ton. Enfin, oui. Alors, je répondais oui pour le mode turbo et puis je me dis, il faut de la farine. Ça, c'est de la polenta. Parce que j'ai mis la farine. Là. Oui. Ouais, parce que regarde, même pour la pâte, tu vois, elle colle. Normalement, c'est une pâte qui ne colle pas du tout. Tu peux en mettre un petit peu aussi sur les mains. Bon, je vais en prendre là. Voilà. Voilà, et donc, pour. Vous voyez, il y a toujours de la pâte qui reste en dessous des couteaux. Et donc, ça, l'astuce pour qu'elle. Qu'elle vient de se mettre sur les parois et pour la récupérer, c'est de. Oups, on va en petite maison. On va en mode turbo. Il est où notre mode turbo? Là. Voilà. Donc on sort du mode turbo. Ah, c'est bon. Elle est belle. Vous voyez, ça c'est vraiment l'astuce. Magnifique. Toute la pâte, elle est partie sur la paroi. Et donc, tu peux la récupérer. Magnifique. Pour la récupérer, regarde. Attends, tu peux pas. Regarde, tu prends une petite boule de pâte. Voilà. Et tu viens, en fait, balader ta boule de pâte dans tout le bol, hein, comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on la balade un peu partout. Et en fait, elle récupère la pâte. Voilà. Tiens, comme je te laisse le faire. Comme nous, on a la passion de la pâte. Toi aussi? Ah, moi, j'adore aussi. Ah, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un comme moi. Parce que la maman, c'est Katia, elle. Ah, elle était dégoûtée, j'avais mangé une boule de pâte, elle n'en revenait pas. Ah, moi aussi, j'adore ça. Moi aussi, je mange tout le temps. Ah ben voilà, tu vois. Je ne suis pas le seul être à manger de la pâte. Est-ce que tu as un coupe-pâte? Oui. Attends, magnifique. J'ai trouvé. Donc là, moi je la retravaille juste un petit peu comme ça, vous voyez, pour aussi bien... Voilà. Là, c'est le guide-là. Magnifique. Hop. Donc, ici, on va en faire trois... brioche, enfin trois petites brioches. Hein. On peut même les tresser en fait un peu. Ouais, tresser. Bah oui. Donc, zoup, alors. Une, deux, trois. Je pense que celle-là est un peu grosse. Je ne sais pas. Ouais, celle-là. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau du poids, un peu pesé. Oui. Oh non, mais même regarde comme ça. Tu peux mettre juste ton couvercle dessus. Oui, j'allais mettre ton couvercle. Ah oui, voilà. Ah, tu peux mettre ton couvercle. Ouais. Je vais mettre, regarde. Ça, je ne savais pas. Comme ça? Non. Je suis blonde. Ah oui! Voilà. Ton couvercle tient, tu vois. Et donc, tu peux me jeter. Je ne savais pas ça. C'est bien parce que j'aime bien. J'apprends toujours des choses à tout le monde. Voilà. Mais je ne savais pas. Donc là, attends, parce que là, il y a plein de choses qui touchent le thermomix. Mais oui. Ouais. Il se met pas en. Voilà. On va peser ici. On est à 284 grammes. 290. Ça va. Un peu plus, tu vois. Non. Et 300, oui. On va la manger. Un petit peu. Vas-y, on va la manger. Elle est pire que moi, elle est 313. Ok, c'est bon. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que j'adore aussi la pâte. Alors, donc, maintenant, on va prendre chaque petite boule. On va la séparer en trois pour la tresser. Donc, alors, ça, c'est souvent en magasin. Tu vas me demander à toi, tu veux savoir faire une tresse? Non. Moi non plus. Mais non. Bah. C'est une blague? T'as une petite fille, c'est pas faire de tresse? Si, mais oui. Tu fais des tresses à ta fille? Oui. Bah alors? Bah oui, mais comme ça, non, je suis pas la plus douée, pourtant elle avait des magnifiques cheveux, mais... Ah, oh, moi j'adore, tous les jours, je la coiffe et tout, j'adore faire ça. Alors parfois elle veut pas, hein, mais... Oh, moi, elle rêverait que je sache faire les tresses sucées par ton blanc. Ah oui, ça fait aussi des tresses à la tête et tout. Bon, alors, en fait, je fais des tresses. Alors, tu sais ce que j'ai fait une fois, c'est la couronne de César. En fait, j'ai pris le devant de ses cheveux, j'ai tressé tout ici comme ça. Puis j'ai pris l'autre moitié ici, j'ai retressé comme ça tout le truc et j'ai retressé tout. Oh. Et elle a adoré. Je lui ai fait ça plusieurs fois pour aller à l'école. Mais ça prend pas longtemps. Hein. Non, franchement, j'ai fait des tutos tressage. Ah non, je fais pas du tout. Je vais prendre des cours. Je m'étais dit que j'allais prendre des cours. C'est assez facile. Non, mais moi, c'est tout ça. Et j'ai regardé hein, combien de fois avec ma fille, je ne me mets pas dans la salle de bain le samedi matin quand son frère est au foot. Ah oui, avec, et quand tu prends un tuto, tu peux lui demander. Hein, on rate à chaque fois. Elle me dit, ah non, ça ne donne pas le même. Ah non. Et pourtant, elle avait des magnifiques. Enfin, ici, elle a un peu coupé, mais elle avait des magnifiques cheveux. Super longs. Mais la peau, je n'ai jamais exposé. Regarde, j'arrive même pas à faire des boulards. Regarde, tu dois coller tes pouces ici, comme ça. Tu les mets au mieux. Et t'appuies avec toute ta main et avec tes doigts. Tu vois, comme ça tire bien. En fait. Ah, voilà. Ah, bah ouais. Hop.
Là, j'ai un petit peu retiré parce qu'il y a trop. Ouais. Hop. Oh, je te donne. Ensuite, tu viens mettre les trois tresses face à toi. Je suis pas encore, hein, moi. Comme ça? Ouais. Ah, bah attends. Tu sais quoi, je vais déjà faire celle-là et en attendant, je ferai l'autre après. Comme ça, voilà. Et comme ça, je t'explique quand je fais l'autre. Hop, moi, parfois, je me dis que je pourrais travailler dans une boulangerie, tu vois, pour faire les tresses le matin. Garde ça comme elle est belle. Ouais. Et voilà, la première petite brioche qu'on va mettre juste ici. Nickel. Je vais faire l'autre. Bien vu ta technique. Comme ça. Tu vois, ça marche bien. Hein. Et tu vois, moi, je fais ça pour, ouais, pour tout, quoi. Hop. Et alors, dans le magasin, tu vois, souvent, j'apprends aux gens à faire des tresses. Parce qu'ils savent, enfin, je remarque qu'il y a plein de gens qui ne savent pas faire des. Moi, c'est vrai que la brioche à mes enfants, je ne la fais pas tresser. Je fais des petites boules dans différents moules. À chaque fois, je change de moule. Mais je fais en bouboule, une petite bouboule. Dans le moule à double brioche ou dans le moule. Allez. Comment il s'appelle, la couronne? Oui, il y en a plein. Ouais, voilà. Je change à chaque fois, mais c'est vrai que souvent, on fait en petite bouboule, en plus petite, plus grande. Hop, voilà. Alors, regarde, t'as vu, j'ai fini. Je t'ai rattrapé. On va dire que tu fort. C'est pas grave. Au moins, comme ça, on est prête pour tresser la suite. Voilà. Donc, voilà. Je te disais, tu prends tes trois boudins, tu les mets face à toi. Tu vois, hop, tu peux les écarter un petit peu. Tu vas légèrement les coller, tous les trois comme ça. Puis, tu appuies un petit peu, c'est tout, pas plus. Voilà. Et puis ensuite, ça, tu t'en occupes plus. D'accord? Ça, on fera après. Tu prends ton premier, puis bah, tu tresses au-dessus du deuxième ici. Ça me tient. Voilà, hop. Puis tu mets le deuxième, bah, tu vois, ça tu sais faire, tresser. Ouais, tu ne serres pas trop. Hein. Voilà, ici tu appuies un petit peu et tu remets en dessous. Tu vois, et là tu vas détacher et tu vas tresser à l'envers. Nickel. Bah, voilà, mais tu gères bien. Il suffit que les cheveux de ta fille soient des brioches et c'est parfait. Hop. Nickel. Et voici et dans le. Donc c'est. Oh, c'est trop beau, Florence. Ouais. Le fromage qui coule. C'est magnifique. Il nous manque, mais attends. Tu as une deuxième grille, Guy de Marle? Là, j'en ai une deuxième. Elle réfléchit. Mais la question, c'est où elle est? Bon, je vais déjà sortir en attendant ici nos petits butternuts. Oula. Ah, magnifique. Je n'ai pas peur de ma fête. C'est pas grave. Vas-y, donc ça tu peux mettre là-dessus. Et comme ça tu vas montrer aussi aux gens pendant que je sors les butternuts. Oui. Normalement, on met toujours avant. Ah bon. Voilà, mais c'est pas grave. Là ça va parce que c'est une brioche, donc on est tranquille. Mais si c'était pas une brioche, ce serait catastrophique. Donc ici, je vais sortir en attendant les butternuts qui sont sublimes. Nos belles brioches tressées. Non mais regardez ça, regarde-moi ça, Florence, ça coule. Wow. Ça coule, c'est super chaud. La brioche maison. Je ne saurais même pas vous montrer. Oui, mais attends, parce que là, c'est beaucoup trop chaud pour la brioche. Il faut que le four redescende à 60 degrés. 60? Donc, tu laisses ouvert, en fait. Ouais, laisses ouvert ton four 2-3 minutes. Alors, regardez. Wow. C'est encore 21 chez moi. Il y en a encore une personne chez toi. C'est bien. Mais après, on n'a pas le même nombre d'abonnés non plus. Hein, donc, non, et ouais, c'est maintenant, on va dire. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Ouah, comme c'est magnifique. Alors, écoutez. Ça crépite encore. Et alors, on voit le fromage qui coule. C'est juste sublime. On va essayer de vous faire des belles photos. Florence, elle a des super beaux assiettes. On va vous faire ça. Notre brioche ici. Donc là, on va vous faire des belles photos. Vous pouvez servir ça avec, bon, on l'a dit, un petit morceau de poisson, éventuellement une viande, une petite saucisse ou quoi. Ou sinon, si vous souhaitez également manger végétarien, vous pouvez laisser comme ça. En soi, vous avez des protéines dans le fromage. Vous avez les féculents, c'est la polenta. Et le légume, bien sûr, c'est le butternut. Ici, on a également réalisé les brioches qui vont partir 20 minutes à 60 degrés, suivies de 20 minutes à 180 degrés. Alors, dans ce cas-là, tu n'ouvres pas la porte. Donc, tu mets 20 minutes à 60. Dès que ça sonne, tu reprogrammes 180 degrés et tu enclenches directement 20 minutes. Ok. Et ce sera parfait. Et la troisième chose qu'on a réalisée, c'est nos Pornstar Martini qui sont toujours là sur le côté, qui attendent pour la petite photo. Ils sont quand même vraiment beaux. Ils sont magnifiques. Ils sont très, très beaux. Ouais. Ils n'ont juste pas la couleur, voilà. Mais ça, c'était le passoir. Voilà. Mais je vous les montre. Regardez comme ils sont beaux, nos Pornstar Martini. Voilà, là j'essaie de vous les montrer ici. Hop, et là. Voilà, moi je suis vraiment fière de nous. Voilà, bon, eh bien écoute Florence, je pense que c'est ici qu'on va
pas les laisser. Okay. Comme ça, on va faire nos petites photos, on va cuire nos petites brioches et tout. En tout cas, merci d'avoir été avec moi en live aujourd'hui. C'était très sympa. Je pense que tu peux largement refaire des lives parce que tu as un plan de travail génial. Là, c'est super pratique. Tu as ton four derrière et tout. Enfin, c'est vraiment un truc bien pratique. Il faut l'exploiter. Ouais. Exactement. Après 3 ans, il était temps. Voilà, exactement. Allez, quant à nous ici, on se retrouve dimanche matin pour le prochain live. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je vais regarder à ça. Et je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. J'allais dire un bon week-end, mais presque en fait, hein, parce qu'on est quand même jeudi, donc c'est bientôt le week-end. Hop, je me rapproche de vous avec Beau qui est là à mes pieds aussi. On est deux chez toi. Allez, je vous souhaite une très très bonne après-midi aussi, parce que ben, voilà, y a un bon dîner si vous passez à table. Et à très bientôt. Au revoir. Salut.